Wow! Cette vidéo est la suite de la vidéo d'hier sur comment reconnaître un ami ou un collègue sorcier. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue chez Sorbonne. Ici nous sommes en famille et on se partage de vraies choses. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc de ouf. Que se passe-t-il quand on a un ami sorcier? Autrement dit, quel rôle joue un ami sorcier auprès de nous? Qui peut répondre à cette question? Qui peut répondre à cette question? Déjà, vous devez savoir qu'un sorcier, c'est une personne qui est animée par un mauvais esprit. Il est vraiment mauvais. Et son travail, c'est de détruire. Dans votre cas, c'est de vous retarder. Quand vous avez un ami sorcier, la chose qu'il cherchera à faire, c'est de vous retarder et de vous bloquer dans toutes les dimensions possibles. Juste pour que vous ne puissiez pas avancer. Prenons un cas très simple. Regardez ce qui s'est passé même dans la Bible. On lui dit que Jonas, lui, Dieu l'avait envoyé quelque part pour délivrer un peuple. Et lui, il avait même changé de chemin. Il s'est retrouvé dans un bateau. Et à cause de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Les vents de la mer se sont soulevés. C'est comme si même il y avait un problème dans le bateau. Et le problème là, c'était même qui? Il fallait même prier pour pouvoir découvrir qui était le problème dans le bateau, la raison pour laquelle la mer veut la renverser ou même veut la avaler. Et quand ils ont détecté qui était le problème, finalement c'était qui? C'était plutôt Jonas. Donc Jonas ici apparaît comme qui? Un élément perturbateur. Parce qu'il est là, rien ne marche. C'est que des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il s'est écarté du chemin de Dieu. Et il est allé sur son propre chemin. Dieu est fâché. Tous les problèmes ont commencé à arriver. Et vous avez vu ce qu'a subi cette équipe-là, les navigateurs. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le bateau. Ils ont sans doute eu peur. Ils ont même cru que c'était fini pour eux. Pour pouvoir se sauver la vie, on nous dit même que c'était mon jeté, c'était des affaires mais dans l'eau, juste pour que leur navire soit un peu léger. Mais il y avait un problème dans le bateau. C'était une personne, un individu, qui avait un problème. Et son problème, c'était d'ordre spirituel. Et à cause de ce problème-là, tous ceux qui sont là dans le monde physique sont en train d'avoir des problèmes aussi. Et ils ont été obligés de faire quoi? Ils ont été obligés de jeter Jonas dans l'eau afin que tout devienne calme. Et ça, après, vous connaissez la suite. Il était avalé par une baleine. Et vous connaissez comment ce qui s'est passé. Mais la partie où il y a eu trouble, où c'est même chaud, là, c'est ça là même qui ressemble fortement à ce qui se passe quand on est un sorcier auprès de soi. Quand vous avez un ami sorcier, ce sorcier qui est là, il doit faire sa mission, il doit faire son travail, parce qu'il est là pour un travail. Nous sommes tous contrôlés, sur surveillance, et nous sommes surveillés par des esprits. On nous dit que c'est le diable qui nous surveille, les démons qui sont là. Ils cherchent même à nous mettre des bâtons dans les roues, nous compliquer la vie. Mes frères et sœurs, ne pensez pas que c'est de la rigolade. Ne pensez pas que c'est de la blague, c'est bien vrai. Et ce sorcier qui est là, il essaiera de faire comme vous, juste pour gagner votre affection. Il essaiera de se comporter comme vous, juste pour que vous ayez vraiment beaucoup confiance à cette personne, au point où vous dites, « Ah, cette personne, c'est mon meilleur ami. Ah !» Dès que vous commencez à dire que cette personne, c'est mon meilleur ami, ou bien c'est ma meilleure amie, hey! Dans le monde des ténèbres là-bas, ou dans le monde des sorciers, ils vont même commencer à applaudir. Ils vont même crier de joie. Parce qu'ils vont se dire, vous venez d'ouvrir une porte. Puisque vous considérez ce gars-là comme votre meilleur ami, ils vont même passer au plan B. Comment faire pour B?
bien vous espionner, bien vous bloquer quelque part. S'ils ont tout fait, ils n'arrivent pas à vous tuer. Vont essayer de vous fatiguer. Vous fatiguer. Vous épuiser spirituellement par là. Vous allez essayer de monter une entreprise. Faire un business. Ou même par exemple, vous allez déposer des dossiers quelque part. Et Dieu merci, le patron de l'entreprise doit déposer le dossier là. Il vous appelle et vous entendez bien. Vous, pendant que vous êtes tranquillement à la maison, vous êtes même en train de dire à tout le monde que ça marchait, bientôt vous allez commencer à travailler. Vous allez voir que ce meilleur ami qui est associé là va commencer à jouer son rôle. Et son rôle va consister à faire quoi? Il peut par exemple appeler le patron là, ou même se déplacer, payer lui-même son transport pour aller là-bas dans l'entreprise pour dire que ah, vous savez, vous avez recruté une personne ici et cette personne doit commencer à travailler par exemple le lundi. Cette personne là, c'est mon meilleur ami, mais c'est ma meilleure amie. Ne permet pas qu'elle travaille ici parce que c'est une mauvaise personne. Forcément, le DG va dire, mais ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi parles-tu ainsi de cette personne? Est-ce que tu connais cette personne? Et cette personne va vous dire par exemple que oui, je joue, c'est mon meilleur ami ou bien c'est ma meilleure amie. Si vous écoutez cette personne ici, votre entreprise va tomber. Jean, pour aller gâter votre nom. C'est facile. Ça, c'est le comportement des sorciers. Et les gens ont ça dans la vie réelle sans savoir qu'ils sont même en train d'être utilisés aussi par les sorciers. Parce que oui, il y a des gens qui ont la sorcellerie, mais qui ne le savent pas. Les femmes qui se baladent dans le foyer des gens pour aller diffuser les gens là. Ah, telle personne a dit ça. Ah, telle personne a dit ça. Ou bien vous allez voir, entre les filles là, les deux, elles causent bien. La fille là, elle va parler de son problème de foyer à sa camarade. Sans savoir même que sa camarade là, elle-même, c'est elle-même qui est à la base de son problème. C'est elle-même qui cherche son mari à cause d'elle. À cause d'elle, son mari sort. Quand vous ne savez pas qui est votre ennemi, qui sont vos ennemis, vous risquez de faire un faux combat. Vous risquez de tirer dans le désordre et gâcher vos munitions. Et le problème ici, c'est que quand les problèmes vous arrivent maintenant, les sorciers avaient se joué au médecin après la mort. Ils viennent vous faire semblant comme si ils compatissent à votre douleur. À quoi ça ressemble? Prenons le premier cas. Dans le cas où le gars là, il allait déposer ses dossiers et puis voici son ami sorcier allait saluer son nom dans l'entreprise pour être chef sans même qu'il s'en rende compte. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que les jours qui vont venir, le chef ne va pas. Le chef, si le chef n'a pas un bon esprit, hein, si le chef lui spirituellement pendant, il n'est pas bien placé pour prier, demander à Dieu ce qui se passe par rapport à ce gars là. Il risque de croire. Et s'il croit, son esprit sera tourmenté, déjà même travaillé par les sorciers pour que vous, on rejette votre dossier. Tout de suite, vous allez vous fâcher. Quand on va vous appeler pour vous dire non, ça n'a pas marché, voici. Vous trouvez des excuses bidons et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Ah! Voici comment beaucoup de personnes déposent des dossiers dans l'entreprise, ça ne marche pas. Parce que les sorciers qui sont derrière le dossier, qui sont en train de bloquer tout. C'est vrai, il faut prier avant de déposer le dossier. Il faut être concentré après avoir déposé le dossier pour que vous ayez gagné des causes. Évitez de vous confier aux gens. Et voici que quand vous-même vous allez constater le problème, vous allez constater que la bonne nouvelle a échoué et que vous n'aurez plus accès à l'entreprise, vous n'aurez plus cette opportunité de pouvoir travailler et vous évoluer dans votre vie. Vous allez venir à la maison près de votre meilleur ami là. C'est que la personne que vous considérez comme votre meilleur ami pour vous confier pour dire ah mon ami voici le problème qui m'arrive va dire mais il va faire semblant pour dire ah mais quel problème au juste et tu te souviens le jour où je t'avais parlé du travail que j'ai eu je dois même aller travailler mais ce lundi il va dire ah oui je vois mais qu'est-ce qu'il va pas tu te prépares pour maintenant pour partir non il fait semblant là mais il fait maintenant semblant. Et vous allez commencer à pleurer devant la personne. Ah, mon meilleur ami, c'est chéri. Ils ont refusé. Lui aussi va commencer à pleurer. Il va même, tu peux même se lever. Ah, comment c'est possible? Non, c'est pas possible. Ah, c'est que ça là. Il y a un problème. Il y a une personne qui est derrière ça, qui est peut-être en train de créer le problème. Il faut qu'on trouve la personne. Même vous allez dire, ah, mais quelle personne le juste? Non. Ah, ça, c'est sûr que ce sont les sorciers. Que le Seigneur Jésus-Christ met le feu sur tes sorciers. Parce que moi, je sais que ça, ce sont les sorciers qui font ça. Là, il vous donne l'antidote en même temps. Soit pour dire qu'il y a des sorciers. Pour que
vous ne puissiez même pas comprendre même que la personne qui est même qui est sorcière, la même qui est dans, qui a été fait ça, la même, c'est elle. Dans ce cas-là, on dit quoi? On dit que les sorciers, même pas les sorciers. Pour que vous ne puissiez pas découvrir qui ils sont réellement. Voici comment ils se cachent. Conséquences de mes amis sorciers. Voici les conséquences. Voici ce qui se passe quand on a des amis sorciers. Et on ne sait pas, on ignore. Cette personne peut vous dire, allons voir tel homme de Dieu, pour qu'on puisse prier, pour voir ce qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est passé. Cet homme de Dieu, même avec qui, même cette personne, là, votre meilleur ami sorcier, là, va vous envoyer là. C'est un homme de Dieu aussi sorcier. Il collabore dans la même équipe que vous. Et tout cela, tout ce qu'ils vont faire là, c'est pour vous faire tourner en rond comme ça. Pendant plusieurs années, vous allez tourner en rond. Vous n'êtes pas au courant que le problème là-même est même proche de vous. Ça peut être même de votre famille. Ça peut être même de votre famille. Le plus grave en Afrique, c'est que votre père peut être sorcier. Votre mère peut être sorcière. Vos frères peuvent être sorciers. Tout le monde peut être sorcier. Puis vous seul, vous êtes simple. Ou bien vous êtes seul dans la famille avec Jésus-Christ. Sinon, tout le monde est dans un autre monde. Et quand vous êtes dans un tel milieu, ils vont tellement vous combattre qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais ah, qu'est-ce que j'ai fait même? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais le jour où vous allez parvenir à la connaissance, par la grâce de Dieu, pour découvrir qui sont réellement les gens qui sont derrière votre problème, vous allez même couler les larmes. Parce que depuis très longtemps, c'est ce qu'ils faisaient. Et à cause d'eux, vous êtes tombé malade. À cause d'eux, vous avez pleuré à un moment donné. À cause d'eux, vous avez eu des échecs dans votre vie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va vous dire? Dieu va vous dire, mon fils, retire-toi d'eux. Tu peux les saluer, tu peux causer avec eux. Mais t'assois pour causer, dis tes projets, c'est fini. Marche avec moi seul. Même s'il faut pas avoir d'amis, même s'il ne faut pas avoir d'amis dans la vie, il faut le faire. Et tu dois faire ce sacrifice-là si tu veux évoluer. Parce que tous les amis qui sont autour de toi, ce sont tous des sorciers. Et ils veulent t'enfoncer. Pendant que toi, tu veux les aider, eux, ils cherchent à t'enfoncer. C'est une réalité. C'est une vraie vidéo. Tous ceux qui regardent cette vidéo, ils sont même bénis. Parce qu'ils savent de quoi ils sont de vous parler. Je sais réellement de quoi ils sont de vous parler. Je sais clairement de quoi ils sont de vous parler. Ceux qui sont intelligents, il faut commencer à analyser leur entourage, leur vie. Qu'est-ce qui se passe même dans ma vie? Qui fait quoi? Je suis même dans quoi? Pourquoi il y a tant d'échecs dans ma vie? Pourquoi il y a tant de problèmes? Si toi, ton père t'a maudit, faut pas avoir peur. Si tu sais que tu n'as rien fait, faut pas avoir peur. Je sais, Seigneur, le sang de Dieu va te purifier et tu vas avancer. Mais les gens qui cherchent à te détruire ne cherchent pas à gagner leur affection. Les gens qui cherchent à te nuire ne cherchent pas à gagner leur amitié. Sinon, ce sera toi-même qui vas te mettre dans le trou. On ne va même pas te forcer. Il faut rester dans ton coin. Prie. Fais du Seigneur Jésus-Christ ton ami. Contacte-le par la prière. Tu sors, tu vas dans un endroit où personne ne peut te voir, ou bien tu t'écartes un peu du lot. Tu pries. Dieu va te parler dans ton sommeil. Et pendant que tu as dormi, Dieu va te parler. Tiens compte de tous les songes que tu auras. Écris-les au réveil. Prends la parole de Dieu. Dieu même peut te donner l'explication de ton songe. Il peut même te parler. Comme si tu venais d'avoir une idée de ce que signifie ton songe. Ce que tu viens d'avoir comme idée là, c'est même la signification du songe là. Parce que Dieu parle comme ça. C'est une voix que tu entends. Tu as l'impression que c'est toi-même qui te parle en toi-même. Mais c'est Dieu. Avance comme ça. Petit à petit. Évite les copines. Les jeunes, évitez les copines. Les jeunes, évitez les copines. Les jeunes, évitez les copines. Le plus grand problème que les jeunes rencontrent aujourd'hui, ce sont des femmes, de copines. Ils ont des sexes avec les filles n'importe comment. C'est même ça mec qui va t'enfoncer un jour. C'est même ça mec qui va te bloquer quelque part. Qui va t'empêcher de voir ce que normalement tu devais voir. Peut-être que toi, tu es né pour réussir à être un ministre. Mais comme tu es entré dans les trucs comme ça, ça va te bloquer à un niveau. Et les sorciers vont bien s'appuyer dessus pour
pouvoir même parler devant Dieu là-bas pour que Dieu ne puisse pas te bénir. Toi-même, tu peux être aussi ton propre sorcier quand tu invites le diable chez toi. Ne va pas voir les marabouts, les féticheurs, tous ces genres de choses. Devant Dieu, il faut être juste. Il faut être dans la légalité. Évite la masturbation. Ha! Évite de regarder les films pornographiques. Ça rend impur et ça, c'est loin de la bénédiction de l'homme. Est-ce qu'on t'a déjà même dit ça avant? Tu vois sur internet, les gens font des clips où on montre les femmes avec les seins. Les vidéos où tu vois voir les gens qui exposent les seins, qui vont même changer les seins. Ne t'approche pas de ces genres de personnes. Il faut les éviter. Si toi vraiment tu veux réussir. Cette vidéo est pour toutes les personnes qui, dans leur âme, savent qu'elles ne sont pas des sorcières et qu'elles veulent vraiment réussir. Voici ce que tu n'as pas encore fait qu'il faut faire. Éloigne-toi des gens. Mets-toi seul et marche. Et c'est ça pour voir ce que ça va donner. Mais surtout, sois accompagné par Jésus-Christ. Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, accompagne-moi, je veux te connaître. Je veux que tu sois mon seul ami. Je veux t'essayer pour voir si ça va marcher, si je veux évoluer. Là, maintenant, Dieu va te donner de très belles idées pour que toi, tu puisses avancer dans ta vie. Toi, tu dois réussir à un seul niveau, un seul endroit, un seul domaine. Tu dois forcément trouver ce domaine. Mais les sorciers savent déjà dans quel domaine toi, tu vas réussir. Peut-être même, ils sont même assis dessus. Il ne faut pas que tu puisses voir. Nous devons veiller à ce que tes yeux spirituels soient fermés. Prie, et dans la prière, là, Dieu va t'ouvrir les yeux pour voir ce que tu ne pourrais pas voir et te donner des idées. Essaie de payer ta dîme, quelle que soit la somme que tu reçois, même si c'est 1 euro. Il faut être juste devant Dieu dans toutes les dimensions, même si nul n'est pas fait. Essaie, ça va marcher. Et Dieu va vraiment beaucoup t'aider. Que Dieu fait sur vous et sur vos enfants. Prenez soin de vous et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Sans doute, demain matin à la même heure, nous ferons une autre vidéo de ce type. Restez connectés.